Et bonjour à tous et à toutes, c'est Gringo et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Minecraft, vous le voyez. Première chose que l'on va regarder avant qu'on s'attaque. Ouh, je vois qu'il commence à faire nuit. Ah non, il commence à faire soleil plutôt. Ah non, mais non, c'est la nuit qui se lève, enfin la lune qui monte, qui se lève, donc il commence à faire jour. Si vous avez le même texture pack que moi et que vous utilisez Extra Utilities, vous verrez que les Ender Lily, elles sont pas encore mûres, même si on voit l'Ender Pearl complètement sortie. Elle n'est pas encore mûre, les feuilles, enfin les 4 feuilles sur le côté, plongeront encore plus bas une fois qu'elles seront finies de pousser. Donc ça, c'est la première chose. On va dormir et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va essayer de voir un petit peu pour le futur. Alors j'ai quelques trucs à vous montrer en bas sur lesquels j'ai déjà commencé à travailler. Mais il faut que je vous montre d'abord l'exo armor que je me suis crafté. C'est pas comme ça doit être exo tout simple. Ouais, voilà, exo machin truc bidule. Ah, mais c'est pas marqué là-dessus. C'est pas marqué là-dessus. Est-ce que ça va être marqué là? Je ne sais pas. Ça vient de Tinker's Construct, ouais, c'est ça. Alors, je les ai pas lus là-dedans. Tools. Ta-ta-ta-ta-ta, pattern, machin. Enough to find a filament. Ok. C'est vrai que je pensais que c'était dans le jeu qu'on pouvait voir ça. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Bon, c'est pas grave, on verra ça dans un autre épisode. Parce que là, sous les yeux, je peux pas vous le montrer du coup. Et je l'ai plus en tête. C'est que l'exo armor, en fait, elle fait rien. Vous voyez que j'ai pas de barre de. À cet endroit-là, vous voyez que j'ai pas de barre d'armure. Contrairement à toutes les autres armures. Alors, j'ai des vieux bugs visuels. Bon, pour l'instant, les coffres, ils sont entiers. Mais si vous voyez. Ah non! Non, ça s'est réglé. Ok, bon. J'avais des vieux problèmes de luminosité sur ces blocs-là. J'ai des bouts de mon perso, je vais vous montrer, voilà, qui ont disparu. Si j'enlève mon armure complètement, vous voyez qu'il me manque pas mal de choses. Si je fais hop, voilà, j'ai que quelques trucs qui sont ici. Il me manque une jambe, la tête et tout. Donc je sais pas d'où ça vient, mais voilà, sachez que j'ai des petits problèmes visuels, c'est pas grave. J'ai commencé ici à faire une ferme de ça là, de résine que je vais ensuite faire fondre pour faire du plastique, enfin, ou de, je sais plus comment ça s'appelle l'autre, c'est du rubber, je sais plus ce que ça veut dire, c'est de la colle ou un truc comme ça, enfin non, c'est de la résine, et après on en fait du, ça doit être celui-là, on en fait du, non, on en fait du plastique, ou alors Non, voilà, on fait fondre de la résine pour avoir du rubber. Et si on refait fondre du rubber, on a du plastique, tout simplement. Ici, j'ai commencé également à faire une petite barrière. Alors, c'est très sympa, c'est le mode Carpenter's Block qui rajoute ça. Je vous ai déjà montré, je crois, un petit peu, mais vous voyez qu'il y a plusieurs formes de barrières pour tous les. Il y a un mob par là, non? Ah non, d'accord, c'est la porte que j'ai dû entendre. Pour tous les blocs de Carpenter's Block. Que je vais vous montrer tout de suite. Où est-ce qu'ils sont? Là. Donc pour les blocs en règle générale. Non, peut-être pas pour les blocs d'ailleurs. Mais pour les barrières, pour les escaliers peut-être, pour les échelles, pour les portes de fence, pour les portes toutes simples, etc., etc. Il y a plusieurs styles possibles de visuel. Et donc c'est grâce au marteau que vous pouvez le changer. Et vous voyez qu'en fonction de combien de je l'utilise, là j'ai 128 sur de durabilité. Si je l'utilise, là j'ai 129, pardon. Donc faites attention à tout ça. Alors à remarquer, à noter aussi qu'on voit pas forcément très bien la porte d'entrée, mais bon, ça c'est un petit détail, on s'y fait. Et donc ici, voilà, je vais faire une ferme pour remplacer un petit peu ça. J'ai envie de réorganiser un petit peu tout mon espace maintenant que j'ai une base toute plate ici. J'ai envie de prendre de l'espace pour pouvoir faire tous les projets que j'ai envie de commencer. Et donc ça passera par une ferme ici. Ah oui, et la deuxième petite chose qu'il faut que je vous montre sur ces blocs, si vous faites shift clic droit, non, si vous faites clic droit avec un chisel, ou shift clic droit, ça change rien, avec un chisel, vous voyez qu'il y a des petits patterns qui vont apparaître. Alors là, c'est pas très apparent parce que la couleur que j'ai choisie n'est pas bien choisie pour démontrer ça. Mais si vous faites avec un marteau dans la main shift clic droit,
Non. Shift-clic gauche, voilà, vous allez enlever la couleur du... Où est-ce qu'il est? Il doit être... Il doit être là-dedans? Ah non. Il est là. Voilà, ça enlève la texture que vous voulez, que vous aviez sur la barrière. Et vous pouvez mettre tous les blocs, même les blocs qui sont pas de Minecraft de base. Vous voyez que c'est du marbre que j'ai dans la main, enfin que j'avais mis. Et vous pouvez le faire clic droit sur sur les blocs de Carpenters et ça les rendra de la couleur, de la texture du bloc que vous avez choisi. Donc utilisable avec tous les trucs. Avec clic gauche, ça fait pareil en fait. Ok, et je suppose que ouais, clic gauche et clic droit en fait c'est en fonction du sens de déroulement des patterns, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ici? Je crois que c'est tout. Vous pouvez également appliquer quelques petites choses là-dessus, genre de la mousse, la ball of moss de. Quoique je sais plus si c'est la ball of moss. Non, parce que dans Carpenter's Block, il n'y a pas l'air d'y avoir. Si je fais ball of. Non. Et si je fais moss. Tinker's Construct. Chisel, voilà. Ah non, c'est Chisel qui fait ça. Si vous utilisez ce bloc-là, que vous faites avec des vignes et du bois, des sticks, vous aurez une ball of moss que vous pouvez appliquer à certains blocs pour pouvoir ajouter un effet de liane pour mettre en façade, mais qui appartiennent au bloc directement et ne sont pas un bloc par-dessus. Et ça marche également avec de la neige, par exemple, pour faire des côtés enneigés, etc. etc. C'est très très sympa. Voilà, alors l'Exopis, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que j'ai eu ça en updatant à un moment. Ça permet de modifier les battle signs, et vous voyez que en rose violet, il y a marqué battle signs were buffed recently, this might make up for it. Donc ça vous permet en fait de retravailler les battle signs, donc les signes, les panneaux que vous avez déjà craftés, et avec ça. Vous pouvez directement les modifier et apparemment ils ont été buffés donc ils sont plus viables qu'avant. Donc n'hésitez pas à retravailler là-dessus. Et donc sur mon exo-armor, il faut mettre certaines choses. Je crois que c'est de la même manière qu'on fait avec les outils là-dedans. Donc rajouter des matériaux et ça vous donnera certains traits pour l'armure. De l'armure, etc. De l'armure à proprement parler, donc de la défense. Ou alors peut-être des renvois de dégâts, je sais pas, de la vitesse de mouvement, c'est peut-être possible. Ce genre de choses. De la même manière qu'il faut faire les outils. Sauf que comme c'est pas dans les bouquins, je peux pas me renseigner en même temps que je vous fais l'épisode. Donc on le verra ça dans la prochaine vidéo. De toute façon, mon armure, même si elle me fait pas d'armure, je suis pas mort depuis le dernier épisode, ni celui d'avant, puisque ça date de celui d'avant, si je me trompe pas. Donc c'est pas grave. On le fera plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je vous montre ici? Il faut que je vous montre que j'ai augmenté un petit peu tout ce que je pouvais crafter. Donc je crois qu'on avait vu la Flux Dust, les Emmy Cable, l'interface et ce truc-là, et ça aussi. Et j'en ai rajouté donc le Advanced Processor, contrairement au Basic Processor, les différentes cellules de stockage, donc qui se fabriquent les unes avec les autres, hein. Là, on peut pas voir directement, mais quand on fabrique celle-là, après on peut l'upgrader pour devenir ça et pour devenir ça, si je me trompe pas. Et j'ai fait ceci pour pouvoir me crafter directement des disques durs de stockage et aussi les blank patterns, donc pour pouvoir faire ces patterns-là, comme ça ils pourront être craftés automatiquement. J'ai essayé aussi avec les Carpenter's Blocks, mais j'ai essayé tout ça, mais le problème, oh là là, il n'y a rien, c'est que si je vais voir et que je fais MI. Je me dis, tiens, par exemple, j'ai envie de me faire une très très grosse, une 64, je fais begin. Donc là, ça va commencer. Et ça met très très longtemps à commencer à crafter. Donc ça, je ne sais pas d'où ça peut venir. Le problème, je me demande si c'est pas parce que j'ai que, entre guillemets, 17 CPU crafting machin. Pardon, à l'intérieur de ce multibloc, mais j'ai déjà remarqué ouais, que ça met super longtemps à crafter et ça marche pas forcément. Tout à l'heure, il y avait tous les ingrédients, mais ça me l'a pas crafté. Je sais pas pourquoi et ça me disait pas qu'est-ce qui manquait. Parce qu'au bout d'un moment, ça commence à travailler évidemment et ça vous met ce qui manque pas, enfin ce que c'est en train de faire, ce qui manque. Mais tout à l'heure, ça me mettait pas ce qui manquait. Ici, vous voyez que j'ai continué également le système. Donc, on avait déjà vu ça à la Redstone Furnace, avec l'entrée au-dessus, avec l'interface, et derrière un Basic Import Bus, Import Cable, je crois.
Donc import, ce qu'il faut savoir ouais, sur ce mode Applied Energy Sticks, c'est que la chose est un petit peu vue à l'envers par rapport à d'autres modes de stockage de cette manière-là. C'est que dans ces modes en général, comme Logistics Pipes, comme Buildcraft, comme pas mal de choses, etc., etc., vous pouvez avoir deux types de câbles. Enfin, il y a le câble classique qui va transférer les items, mais il y a deux types de câbles en général. Un qui va exporter des objets. Et un qui va importer des objets. Et dans Applied Energy Sticks, il faut savoir que les import bus, ça va pas importer dans le bloc sur lequel vous le mettez, ça va importer du bloc sur lequel vous le mettez, ça va importer dans le système. Et donc, c'est la petite subtilité à savoir. Bon, c'est pas un gros problème, vous rendez compte assez rapidement du problème si jamais il y en a un. Mais import bus, ça va importer dans le système et export bus, ça va exporter dans le bloc sur lequel il est posé. Et donc, ça va exporter du système. Donc là, j'ai mis une interface ici également. Bon, j'ai pas rempli encore le processing, mais voilà, le pulvérisateur est optionnel, opérationnel, pardon. Et ici, j'ai rajouté donc le Ah, j'ai rajouté du glace aussi, je crois que je ne l'avais pas montré ça. Et le Advanced Processor également. Donc si ça a besoin de crafter un Advanced Processor, ben, ça va directement le déposer dans le four et le récupérer une fois qu'il est fini de cuire. Voilà, tout simplement de la même manière qu'on avait les autres. Ici, j'ai commencé mon système d'auto-smelt, donc de le processus de travail des minerais. Donc directement là-dedans, on peut mettre le bloc que l'on veut et ça va le poser directement là-dedans. Le pulvériser ici, le descendre ici, et ça va le faire fondre directement et récupérer les lingots par l'arrière. Donc si je vous montre, je sais pas, non, j'ai pas l'air de pouvoir vous montrer, mais voilà, export bus, et donc il me faut, oui, un import bus, je sais pas si je vais pouvoir me le faire, parce que je crois qu'il me manque pas mal de trucs. Import, bam bam bam, basique. Alors les différences entre les trois, c'est que fuzzy, je crois que c'est pour la durabilité des outils, enfin pour le NBT ou le metadata. Je crois que c'est metadata pour la metadata des outils et des objets en général. Donc si vous avez des objets et vous voulez les spécifier par rapport à leur metadata, le fusil, le ME Fuzzy Import Bus sera fait pour vous. Et le precision, je crois que c'est pour la taille du stack, mais je peux me tromper. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, voilà. Ça, ok. Ah ouais, il va me falloir plus de glace. Alors, on va refaire une porte. Tac. L'interfaçage, il me faut plus de verre et il me faut un comme ça. Hop. D'ailleurs, ouais, je suis bête parce que je peux le faire logiquement. Non. Et si je fais bam. Je fais hop, je peux faire interface et ça va me la crafter si tout va bien. Bon, celui-là, vous voyez que c'est en train de crafter ça, mais ça n'a pas l'air de vouloir le faire. Si je vais voir ici, est-ce qu'il y a un truc. Ouais, c'est ça, il vient de cuire. Pourquoi il n'est pas branché? Ah, mais ça doit être ça, le vieux. Mais non, pourtant. Ah, c'est parce qu'il n'y a plus la place dans le système, je suis bête. Ok, l'interface, elle n'est pas en train de se crafter. Et lui, pourquoi il. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui a été crafté entre les deux? Il n'y a rien qui a été crafté pourtant. Logiquement, la place du précédent devrait. Ah, mais non, c'est parce qu'elle est là. Donc là, ça devrait le ramener ici. Ok. Est-ce que ça va continuer ou pas? Moi je l'ai ça, et il y en a un déjà. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire hop, on va annuler celui-là. Là, je vais retourner voir. Ouais, voilà, il commence à y en avoir un peu partout. Ça, je vais récupérer. Ça, je vais mettre. Non, je vais même le faire fondre. Comme ça sera fait. Hop, et ça va directement le récupérer puisque c'est dans une boucle du système. Ça va le réimporter. Et donc, interface. Non. Est-ce qu'il est en train de la crafter l'interface? Non. Pourquoi? Hop, R. Pourquoi ça veut pas? Qu'est-ce qui va me manquer? Ah, non. C'était du verre que je voulais. Bon, c'est pas grave.
Ça et ça, je vais les prendre, ça prend de la place pour rien. Et d'ailleurs, je vais même aller les mettre à côté, ici et là. Et comme ça, ce sera fait. Vous voyez donc comment est fait mon système. Il y a un mur d'énergie derrière et une ligne en bas qui va arriver jusqu'ici avec des MI cable, des MI import bus tout en dessous. Et au-dessus, des câbles également avec des export bus juste au-dessus pour pouvoir exporter tout ce dont j'ai besoin d'être crafté. Hop, alors, bam. Bam, bam, bam. Voilà, et comme ça c'est en haut, en bas pour les deux et ça va directement. Ok, alors il va me falloir plus de câbles également et plus de. Et un import bus donc. Interface, c'est bon, elle est craftée. Ok, d'ailleurs je vais la laisser là-dedans. Import bus, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Et donc le import bus, je vais le mettre ici et d'ailleurs il va falloir. Ouais, c'est bon. Il va falloir que je le mette de cette manière-là. Ok. Bam, bam. Et d'ailleurs, non, c'est bon, il n'y a pas d'interface. Ok, et il va me falloir des MI cables pour pouvoir le relier au système. Oh, j'en ai que deux. Est-ce que je peux m'en refaire? Non. Bon, je vais faire un. Ok. 10. Est-ce que ça va les faire? 1 et 0 et 0. Ok, bon, ça les fait 3 par 3, donc on va les laisser comme ça, tant pis. Là, je devrais en avoir assez. Ouais, j'en ai 8, ça suffit largement. Parce que là, normalement, tout est connecté. Et du coup, j'aurai juste à remplacer en bas pour le reste. La seule chose à savoir, c'est qu'avec les. Avec les Harden, enfin avec les Energy Conduits, ça fait des petits bugs et donc ce que je vous conseille c'est de les placer et de remettre vos Energy Conduits juste après puisque là le bug n'apparaît plus. Et donc là logiquement, ça c'est lancé et donc si je regarde dans mon système, hop. Si je regarde là-dedans, Gold j'en ai 171 et ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va directement maintenant brancher tout ça et j'hésite encore. Est-ce que je vais faire une machine? Enfin, je vais vous expliquer. On va prendre l'or, mais on va prendre également le silver, le lead, le je sais pas, des trucs importants peut-être, le ferrous. Comme ça me rajoutera un petit peu de chance de trouver des choses intéressantes. Le copper, l'iron, regardez tout ça pour l'instant. Et je vais aller là comme ceci, et donc je vais rajouter. Ce que je veux qui soit crafté directement une fois que je les mets dans le système. Donc ferrous, lead, j'ai fait quoi? J'ai fait tin, oui. J'ai fait copper, j'ai pas fait iron. Copper, tin, iron, lead, ferrous, gold et silver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien. Et donc là, si je mets dans mon système, logiquement, si je mets du tin. Le tin va se retrouver directement transbahuté ici et il va se faire pulvériser la gueule et donc se doubler et me donner des lingots en retour. Vous voyez, bam, les lingots qui apparaissent directement ici et qui reviennent directement dans le système. Donc là, si on regarde notre tin, on devrait en avoir peut-être encore. Ouais, voilà, deux qui arrivent. Donc 250, 251, ça continue, ça continue. Voilà, donc ça c'est ce sur quoi j'ai travaillé entre les épisodes. Sachant donc le problème que j'ai, c'est est-ce que je fais ici je remplis, puis à côté je remets les mêmes, puis à côté je remets les mêmes, je remets les mêmes, je remets les mêmes. Ou alors est-ce que je fais ben, ici ce sera le gold, ici ce sera silver, lead, iron, machin, et que du coup il faille que je l'étende deux fois plus grand pour que ce soit pour qu'il y ait un passage par type d'objet. Mais bon, ça on verra ça plus tard. Et donc là, si je mets bam, ça là-dedans, ça là-dedans, ça là-dedans, est-ce qu'il va y avoir la place pour tout? Non. Tac. Donc là, c'est l'autocraft en fait. Contrairement à ça, où on peut demander quelque chose et ça va directement utiliser les machines pour crafter certaines choses dont j'ai besoin.
Contrairement à ça, ici, ça va automatiquement prendre les objets qui sont dans le système et les implémenter ici et les récupérer en dessous. Bon, ça, c'est optionnel, mais les exporter du système dans ces machines-là. Contrairement à ici où on utilise la machine comme un centre de, comme une table de craft, quoi, concrètement. Donc là, vous voyez que le gold se fait pulvériser. Et donc, si je regarde là-dedans, je regarde en or, le copper devrait pas tarder à partir, peut-être. Je sais pas qu'est-ce qui va cuire juste après. Si, voilà, le copper. Donc là, je devrais plus avoir de copper. Voilà, j'ai plus de copper et donc du coup, je devrais pouvoir mettre ça et ça. Non. Bon. Là-dedans. Alors, dry dirt, ça, je vais le jeter. Et ça, je vais mettre là-dedans. Voilà. Hop, et comme ça, ce sera mieux. Et le ME cable, je sais pas si je peux les poser. Non. Qu'est-ce que je pourrais enlever? Parce que le problème, voilà, c'est que comme mes storage machin se craftent pas automatiquement, eh bien, je peux pas, enfin, pas bien en tout cas, eh bien, je peux pas rajouter des disques durs. Bon, là, ça a l'air de d'avoir bien voulu le faire. Ouais, c'est bon. Parce que ça, c'est quoi? C'est ça, ça. Ouais, non, j'en ai pas. J'en ai pas, j'en ai pas. Bon, je vais mettre le troisième. De toute façon, pour l'instant, je les mets à la suite, hein, mais on verra bien par la suite comment ça marche. Juste pour pouvoir rajouter des slots comme ceci. Très bien. Très bien, très bien. Donc il faudra que je fasse la même chose pour ce type de copper, puisque je pense que le Applied Energistic fait pas gaffe forcément au ore dictionary. Donc peut-être qu'il prendrait pas celui-là si je le mettais dans le système. D'ailleurs, on va tenter. Et après, Vintium Ore, il faudrait que je le mette sur une machine, une furnace, un four directement. Et ça, il faudra que je les traite différemment. L'Ardite, le Cobalt, le Dark Iron, je crois qu'il faut directement le faire fondre. Je sais pas comment on l'utilise lui. Ah non, soit comme ça. Ah si, on peut directement le faire fondre. Mais on perd beaucoup parce que c'est. Ah, ou l'induction smelter avec du sand. Intéressant. Ouh, 3 même. Pour en récupérer 3, il faut du cinnabar ou du rich slag. Ouais, ce serait faisable peut-être, parce que sinon il faut passer par le factorisation et je vous ai déjà expliqué que c'était un gros bordel. Il faut les lacérer, puis les nettoyer, puis les slag furnacer, puis les cristalliser et enfin les faire fondre pour en avoir 3 fois plus. Donc c'est vraiment la grosse misère pour pas grand-chose, enfin pour pas grand-chose, pour garder des ressources, mais c'est vrai que c'est assez relou. Mais du coup, le cobalt et l'ardite, je pense que c'est possible également de les utiliser avec le lacérateur. Ouais, c'est ça. Et donc, ah ouais, c'est faisable aussi ici. Récupérer 2 ou 3 en fonction de ce qu'on utilise. Alors le rich slag, comment on l'a? Ouais, on peut faire fondre comme ça. Et comment on a du cinnabar? Ah ouais, voilà. Eh oui. Oh. Chelou. Ah non, d'accord, parce que ça, si on le fait fondre. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, bah bref, ça, il faudra que je vois plus tard. Mais bon, l'idée, c'est voilà, de se débarrasser de ce coffre en les mettant directement dans le système et qu'ils soient directement transformés en des choses utilisables directement. Alors j'ai récupéré mes 4 épées puisque j'ai enlevé mes 2 statues derrière, vous avez vu, elles buguaient complètement donc je me suis dit c'est pas la peine. Alors je vais barrer, ça c'est vu. L'exo-armor, donc je vous ai dit, on le verra dans le prochain épisode. J'ai un gros problème, j'ai une grosse demande d'Enderman et d'Enderpearl, donc il faut que je fasse cette pièce, il faut absolument que je la fasse. Donc j'ai mon Safari Net, j'ai mon automatisation qui sera améliorée mais le levier d'activation juste à côté. Il faut juste que je trouve un moyen donc d'envoyer de l'énergie, ça c'est fait, et d'envoyer de récupérer la. Non, d'envoyer de l'expérience pour pouvoir. Ou de la mob essence pour pouvoir les faire spawner. Et de récupérer le loot. Et de récupérer. Le loot, c'est tout? Ou l'expérience. Ah oui, et l'expérience aussi, parce que je crois pas qu'elle va la récupérer, l'expérience. Enfin voilà, donc il faudrait que je trouve un moyen de transférer tout ça. Et je veux utiliser ça pour les détruire, les Enderman. Donc c'est simplement un Autonomous Activator avec rien dedans et avec un left click. Et donc le left click, ça fait que ça tape tout simplement. Surtout quand il n'y a rien dans la main. Vous pouvez également mettre une épée dedans. Et donc c'est ce à quoi j'ai pensé
pour pouvoir récupérer les têtes des Enderman, mais finalement c'est pas les Enderman dont les têtes m'intéressent, surtout je crois qu'on peut pas les récupérer, ce sont les squelettes, les squelettons, les squelettes, pardon, du Nether, donc les Wither Skeleton, qui me permettront donc de récupérer les têtes et de faire spawner des Wither par la suite. Mais bon, ça c'est une autre histoire, on en reparlera plus tard. Également ici, une autre pièce qui a été finie. J'essaye de les faire au fur et à mesure pour pouvoir avoir un endroit où je peux travailler à plein d'endroits différents et que j'ai pas à me faire la pièce à chaque fois. Donc ça, ce sera fini dans des épisodes suivants, ne vous inquiétez pas. Et donc ce problème des Enderman, tout ça, c'est que pour transférer ce jeu, toutes ces belles choses ici, il me faut plusieurs côtés. Donc il va me falloir un côté pour les items, un côté pour l'énergie, un côté pour l'expérience ou la mob essence. Et donc déjà, ça va prendre pas mal de choses. Plus un côté pour transférer le levier qui va faire l'activation ou la déactivation, désactivation du spawner. Et donc toutes ces choses-là, le moyen le plus simple ou le plus compact en tout cas, et pas forcément simple d'ailleurs, de transférer toutes ces choses-là et de ne pas utiliser tous les côtés du bloc sur lequel je vais les utiliser, c'est d'utiliser les tesseracts. Les tesseracts. Donc les tesseracts qui sont très pratiques, c'est en fait des énergies cell comme celle qu'il y a là-bas. Ça a la même propriété en fait, ça transfère de l'énergie, enfin ça, oui, ça transfère d'un tesseract à l'autre, ça peut transférer de l'énergie, des objets, des fluides, et ça peut transférer ces trois choses-là en même temps et du même côté. Donc c'est vraiment très pratique. Une fois que vous en avez pas mal, vous pouvez du coup mettre ici par exemple un tesseract, pas avoir tous ces câbles en dessous qui transfèrent jusqu'à ici, jusque là, jusque machin, jusque truc, avoir juste une sortie sur un tesseract et mettre un autre tesseract pour alimenter ici, un autre tesseract pour alimenter là-bas, un tesseract pour alimenter ce truc éventuellement tout seul, pour alimenter ça. Voilà, le principe du tesseract, c'est de transférer de l'énergie et de pas avoir des câbles ou quelque chose qui relie deux tesseracts. Enfin, qui relie le Tesseract à tout le reste pour pouvoir récupérer l'énergie et la transférer. Donc très pratique. Seulement le Tesseract, il coûte très cher. Voilà comment on le fait. Donc il faut 4 bronzes plus 4 silver, donc ça c'est pas beaucoup, mais il faut un Tesseract frame full. Et donc pour avoir ça, il me faut déjà un Tesseract frame empty. Donc le squelette du Tesseract vide. Donc il me faut 4 Harden Glass, donc le Harden Glass avec l'Induction Smelter, donc il me faut 8 Pulverized Obsidian. Ça se fait avec de l'obsidienne dans un pulvérisateur, on en récupère 4 par obsidienne. Donc il m'en faut 2 plus 2, donc 4 obsidiennes et 2 LED pour pouvoir me faire mes 4 Harden Glass. Ça c'est pas énorme, mais il me faut aussi de l'Enderium Ingot. Alors l'Enderium Ingot, ça se fait comme ceci. 2 Enderium Blend plus un Pyrothium Dust. Un Pyrothium Dust, c'est pas très compliqué, il faut du Pulverized Coal, donc vous savez comment le faire, du sulfure, du soufre, ça on en trouve dans la génération de terrain, des Blaze Powder, c'est pas très compliqué, et de la Redstone. Mais il faut aussi de l'Enderium Blend, donc il me faut 3 Pulverized Tin, plus un Pulverized Shiny Metal, donc ça c'est très très rare, plus un Resonant Ender Bucket, et donc un Resonant Ender Bucket, ça s'obtient dans le Magma Crucible, enfin non, dans l'autre. Comment il s'appelle l'autre? C'est Magma Crucible et je ne sais plus quoi. Magma Crucible et Fluid Tra... Oui, c'est Fluid Transposer, voilà. Donc ça va nous faire la frame empty, donc vide. Une fois qu'on a ça, il faut la remplir. Et il faut la remplir, non, comme ceci, avec du Resonant Ender. Il en faut 1000, donc 4 Ender Pearl par Tesseract. Donc ça, voilà. Et enfin, il faut le transformer comme ceci pour le finaliser. Donc vous comprenez que c'est une recette qui coûte très cher et il en faut au moins deux pour que ce soit utile, parce que sinon ça sert à rien d'en avoir qu'un, puisque c'est censé transférer de l'énergie en sans fil en gros. Mais c'est très très cher, donc c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Et ah non, j'ai cru qu'il y en avait une qui était terminée. Et donc pour ça, moi ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir un quarry. Et donc le quarry, c'est quoi? C'est une machine qui va miner pour nous. Le quarry, c'est pas très compliqué à crafter, je crois. Le gros problème, c'est qu'il me faut pas mal de choses. Alors il va me falloir déjà 3 Iron Gear. Donc ce que je vais faire déjà, je sais, c'est que je vais aller là en bas et je vais faire MI
Hop, et je vais me crafter 20 comme ça. Ok, c'est du verre qu'il va me falloir. Non. Hop, MI machin, 5, encore un ou deux. Allez hop, c'est bon. Il m'en reste peut-être quelques-uns. Voilà, il m'en reste un. Allez hop, non, c'est pas ici, c'est là-dedans. Et donc, ce que je veux faire, c'est pouvoir me faire des gears. Donc, déjà, la première, ça va être ceci. Encode, il va me falloir. C'est quoi que je veux faire? C'est un quarry. Voilà. Donc le bloc qui va crafter à notre place, qui va miner à notre place. Donc il me faut des iron gear. Donc il me faut des stone gear. Non. Je vais faire avec de la cobblestone classique. Parce que sinon il va bugger avec le ore dictionary, je crois. Il me faut ça. Il me faut ça. Il me faut ça. Et c'est tout. Alors je les encode, vous me direz mais pourquoi tu les encodes alors qu'au final t'en as pas vraiment besoin puisque ouais c'est ça, dans l'ordre, parce que j'aime bien les mettre dans l'ordre. T'en as pas vraiment besoin puisque une fois que tu auras crafté ton quarry, eh ben t'auras plus besoin d'en crafter. Mais si, 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 parce que ça, les Iron Gear par exemple, c'est utilisé pour des machines, c'est utilisé pour enfin pour plein de machines. Pardon, pour des pipes, des tubes, si jamais vous avez besoin d'utiliser les logistics pipes. Si vous utilisez les logistics pipes, il va vous falloir des modules. Les modules sont utilisables, sont craftables avec des gears. Donc c'est vraiment quelque chose de d'assez intéressant. Alors après, il y a pour les abeilles et tout ça, mais bon, moi je m'y intéresserai pas. Mais sachez que ouais, c'est ça peut être utile. Pour une refinerie, pour l'assembly table également, j'en avais besoin. Donc voilà, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qui utilisent ça. Et donc, c'est possible que j'ai à les réutiliser. Alors, il me faut pas un quarry, il me faut donc. Qu'est-ce qu'il me faut, j'ai dit. Non, gear comme ça, voilà. Il va me falloir. Non. GE1, voilà, il va me falloir 3 comme ça, il va me falloir 2 comme ça, ah, il va me falloir une comme ça, et il va me falloir une pickaxe, une diamond pickaxe, hop, tac, tac, alors combien j'ai de diamants après tout ça? 48 encore, oh yes, eh, vous voyez que quand même, hein, les... Ah mais elles n'ont pas été craftées encore. Ok. Vous voyez quand même que la pioche avec Luck dessus, c'est quand même très pratique. Est-ce que... Ah ouais, c'est bon. Donc je peux récupérer le reste de mes sticks. Ok, donc elles sont toutes là. Et donc si je fais... Quarry, logiquement, je devrais pouvoir faire bam et récupérer... Pourquoi il les a pas fait? Il me faut une de plus. Non, pas en stone. En iron. Et il me faut une de plus en diamant. Et il va m'en falloir plus des sticks. Hop et hop. Et donc là, ça devrait être bon. Quarry. Ah, voilà. Très bien. Et donc, sticks. Hop, je les récupère. Alors, voilà le quarry. Voilà la machine de base avec laquelle on va travailler. Alors, la première chose à savoir, c'est que quand vous placez le quarry, si vous n'avez rien spécifié si vous n'avez rien spécifié de spécial, si vous n'avez pas précisé la taille ni rien, eh bien, il va créer une taille comme ça standard devant lui, enfin derrière le bloc que vous placez. Et donc, ça va être l'endroit où il va creuser. Ça va être la taille effective du quarry.
Donc ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est que vous avez vu dans le chat, il y avait marqué The query at machin 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 will keep four chunks loaded. Donc ça veut dire que c'est un chunk loader. Vous n'avez pas besoin de rajouter un chunk loader pas loin pour pouvoir garder ces machines. Si vous faites F9, ouais voilà. Si vous faites F9, vous voyez que ça va sans doute garder 7 chunks là, 7 chunks là, 7 chunks là et 7 chunks là. Ce sont les 4 sans doute qui va garder en mémoire, puisque c'est la taille que ça prend, c'est la place que ça prend. Donc voilà le query. Il a besoin de plusieurs choses pour travailler. Il a besoin d'une part d'énergie pour pouvoir produire tout ce dont il a besoin, enfin pour pouvoir miner tout ce dont il a besoin et transférer les items. Et d'autre part, il lui faut une sortie, il lui faut quelque chose pour récupérer les items qui vont tomber. Donc ce qu'on va faire, est-ce que je peux l'enlever comme ça? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui trouver une place bien appropriée et on va essayer de le placer. Sachant que pour transférer l'énergie, comment je vais faire? Eh bien, je ne sais pas encore. Soit je vais me fabriquer des tesseracts de la manière la plus simple que je connais, c'est-à-dire les faire à la main avec ma bite et mon couteau. Mais ça, je ne sais pas encore si je vais faire comme ça. Mais de toute façon, il va me falloir quelque chose pour transférer l'énergie. Ou alors mettre des engines. Ah ouais, mettre des engines pas loin. Ça va être quoi? Combustion engine. Ou alors je peux faire ce genre de choses. Je pourrais prendre des magmatic dynamo et les transférer. J'en remets 4. Est-ce que combien il utilise le quarry? On peut pas le voir. Non, on peut pas le voir. Je sais pas combien il utilise par tick, mais peut-être que je vais prendre des machines comme ça que je brancherai directement au quarry. Du genre, ben, ça ce seront les machines. Donc 1, 2, 3, 4. Avec ici du fil, enfin du fil du des conduits plutôt. Hop, qui reviennent au-dessus pour aller dans le quarry comme ceci. Donc récupérer. Ah ben oui, ça l'a mis dans ce sens-là, pourquoi pas. Donc récupérer de l'énergie comme ceci. Et d'un autre côté, ben, des items qui iront, ben, je sais pas, dans un coffre, un under chest que je pourrais mettre par exemple. À la même manière que d'ailleurs Wolf le fait, hein, pour ceux qui connaissent, vous voyez les ressemblances directement, logiquement, que je pourrais mettre par là. Et comme ça, une fois que je rentre de miner, je pourrais mettre ce que je veux dans ce coffre et tout ce qui ira là-dedans sera directement déposé là-dedans. Et donc traité si besoin est d'être traité. Et également, ce sera le coffre où le quarry pourra directement déposer tous ses items. Et de la même manière, comme ils auront le même inventaire, eh bien, ça ira directement dans le système à eux. Et donc être directement transformé en ce qu'on veut. Voilà, donc ça c'est le plan. On arrive déjà malheureusement à la fin de l'épisode. Je suis désolé, on n'a pas fait grand-chose. On n'a quasiment pas quitté la baraque de l'épisode. C'était un épisode surtout transition entre ce qu'on a fait dans le dernier épisode, donc à savoir commencer le système d'autocraft. Donc que j'améliore de jour en jour. Vous voyez qu'on est déjà à un tiers à peu près de la page. Donc on a 10 pages comme j'ai mis 10. 10 containers, je sais pas quoi là, qui gardent les patterns. J'essaye de l'augmenter à chaque fois pour qu'un jour on puisse arriver ici et se dire, bah, tiens, j'ai besoin de, je sais pas, par exemple un tesseract. Et donc de faire, enfin d'avoir ici craft. Et donc directement, ça va crafter tout ce qu'il faut. Donc s'il n'y a pas de bronze, mais qu'il y a du bronze disponible, mais qui sait comment faire du bronze, il va faire du bronze, le remplir, il va faire ceci. Il voit qu'il faut le remplir dans un fluide transposeur que j'aurai dans cette pièce qui sera utilisable de la même manière. Il va ensuite crafter les Enderium ingots, etc. etc. Ce serait le plan qu'un jour je puisse venir en bas ou même en haut, puisque ce sont les mêmes inventaires qu'il y a ici également. Voilà, et pouvoir demander ce que je veux et que ce soit directement crafté sans avoir à me soucier de comment crafter ci, comment crafter ça. Ce sera déjà tout pré-programmé. Voilà. Et pouvoir l'étendre facilement également, pouvoir ajouter des patterns facilement, que toutes les machines qui sont utilisables de Thermal Expansion surtout soient disponibles par le biais du système AE. Donc éventuellement prendre toutes ces machines et les amener en bas pour pouvoir les automatiser.
Encore que je sais pas, parce que à la limite, ce serait bien que j'en ai aussi pour moi pour pouvoir les utiliser comme bon me semble. Par exemple, l'Energetic Infuser, si je fais une machine, un outil qui a besoin d'utiliser de l'énergie, ben, j'aimerais bien l'avoir ici et pas avoir à le mettre dans le système, le mettre là-dedans et le récupérer dans le système. Bref, vous avez compris. Voilà. Mais en tout cas, encore une fois, on arrive à la fin de l'épisode. Donc je suis désolé, c'est un épisode un peu long, mais bon, surtout où il s'est pas passé grand-chose. Donc on se rattrapera là-dessus dans le prochain épisode. Voilà.